que la famille, dans cette vidéo, on se retrouve pour un 24 heures manger marque base contrefaçon. Et ce 24 heures là, je vais le faire pas avec n'importe qui, avec ma nièce. Est-ce que t'es prête ou pas? Oui. C'est parti pour un 24 heures marque base contrefaçon dans la nourriture. C'est tout de suite, c'est dans cette vidéo, les amis. La famille, c'est le Rock'n'Up 2. J'espère que vous allez tous très bien. La famille, en tout cas, pour ma part, ça va super. Donc, aujourd'hui, les amis, nouvelle vidéo 24 heures challenge marque base contrefaçon. Donc, c'est très simple. Vous avez compris le concept. Enfin, je vais vous l'expliquer pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, dans cette vidéo, il y aura plusieurs repas. Il y aura le repas du matin, le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir, tout simplement. Et en gros, il y en aura un, il va manger de la marque et l'autre, tête de la contrefaçon, tu vois. Donc, ça va être alterné. On verra avec un tirage au sort. Donc, ça va être un challenge de ouf. Hein. Celui qui va tomber sur la contrefaçon, miskin, il va manger de la sous-marque. Et celui qui va tomber sur la marque, il va être bien ou pas? Il va être bien parce qu'il n'aura que des produits de qualité en général. La marque, t'as dit, c'est bon. Donc, on commence avec quoi là? Le premier tirage au sort avec le matin. Donc, le petit déjeuner. On va voir tout simplement qui va manger de la marque et qui va manger de la sous-marque. Ça va être un tirage au sort avec le téléphone. T'es prête? Oui. Déjà, toi, tu veux commencer avec quoi? De la marque ou sous-marque? La marque, largement. Bah, ouais, largement. T'as vu la sous-marque, t'as capté. Bon, j'ai connu ça quand j'étais petit. T'as vu, mes parents, ils m'ont jamais acheté de la marque. Donc, ça va. Bah, ça me dérange pas. Mais bref, c'est parti pour faire le tirage au sort au petit déjeuner. On va voir qui va manger la sous-marque et qui va manger la marque, tout simplement, les amis. Du coup, les amis, c'est parti pour le premier tirage au sort. On s'est installé. Donc, là, franchement, les gars, je sais pas qui va manger la sous-marque et qui va manger la marque. On va le savoir tout de suite. Donc c'est le téléphone qui va choisir. Je vais faire un tirage au sort. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Franchement, j'espère tomber sur la marque. Comme ça, je commence bien le défi. Et toi, Inch'Allah, tu tombes sur la sous-marque. Parce que tu mérites pas, ma gueule. Allez, regardez, elle me regarde bizarre. Bref, allez, c'est tout de suite pour le premier tirage au sort. Du coup, c'est parti, tirage au sort, les amis. Il y a mon pseudo, le Rock'n'Up 2. Donc il y a mon blaze. Et là, il y a le blaze de ma nièce. Donc je vais faire décider. Celui qui a son blaze affiché à la fin, il mange la marque, ok? Ok ou pas? Oui. Donc c'est parti. Donc le dernier qui aura son blaze affiché, il mange la marque. C'est parti. Décider. Allez, qui va manger la marque? Et ta-ta-ta-ta-ta, en cours, allez, c'est moi! Allez, je mange la marque, ma nièce mangera la contrefaçon, la sous-marque. Et franchement, le défi commence super bien. Donc qu'est-ce que tu penses de ce premier choix là? Ça commence très mal. Et bon, pas le choix, c'est la vie hein. Du coup, elle va vous présenter son petit déjeuner de sous-marque, t'es prête ou pas? Ouais. Donc là, elle va vous présenter ce qu'elle va manger vu qu'elle a choisi la sous-marque. Après moi, je vais montrer ce que je vais manger vu que j'ai la marque. Donc c'est parti. Donc voilà ton petit déjeuner de sous-marque, je te laisse le présenter. Donc là, on a des brioches de sous-marque, enfin Auchan. Voilà, brioches de chez Auchan. On a du faux Nutella de chez Auchan. On a du lait de chez Auchan. Donc vraiment que la sous-marque. Et on a des faux trésors de Kellogg's de chez Auchan. Donc vraiment petit déjeuner de la Hesse. Tu connais petit déjeuner de la sous-marque. Tu connais Zer. Et du coup, moi les amis, je vais bien manger un petit déjeuner de marque. Donc voilà, moi j'ai du pain brioché de chez Harris. Elle est là de chez Auchan. J'ai du vrai Nutella. J'ai du lait Lactel. Et j'ai les vrais trésors de Kellogg's, les gars. Pas sa petite contrefaçon éclatée là. Du coup, c'est parti pour taper les petits déjeuners. Donc voilà, là on a la marque. Et là t'as la sous-marque. Du coup, les amis, c'est parti. On commence avec les céréales. Donc on commence par manger ça. Mmh. Du coup, moi je vais manger la marque et toi. Marque. Voilà, donc c'est parti. On va ouvrir ça. Donc regardez. Déjà, monteur, est-ce que c'est la même chose? Regardez, elle a ouvert le paquet. Ah, c'est la même truc, hein. On dirait les mêmes, hein. Mais après, au niveau du goût, je pense que c'est pas pareil, hein. Donc, c'est parti, on va faire nos petits céréales tranquillement. Donc, c'est parti, on prend nos bols. Est-ce que tu penses qu'elle va être bonne? Ouais, ça va. On verra. Donc, c'est parti, les gars. Moi, je vais mettre la bonne marque. Elle va mettre la sous-marque. Donc, maintenant, les amis, moi, je vais mettre mon lait de marque. Donc, c'est parti. Donc, on a mis les céréales. Et maintenant, on va mettre les laits. Donc, même les laits, on a joué le jeu, hein. Il y a sous-marque, vs marque, hein. Donc, nous, on met les céréales. Après, on met le lait, hein. On est d'accord. Enfin, sinon, si t'aurais mis le lait après les céréales, je t'aurais frappé en vidéo. Vas-y, bref, c'est parti. Donc, on va mettre le lait, les gars. Moi, j'ai les vrais céréales. Je suis trop content, les gars. Eh, c'est une dinguerie. Elle a même le lait. Il est fou, ma gueule. Donc, c'est parti. On tape une bouchée en même temps. Donc, vraies céréales, vs contrefaçon. Bah, elles sont trop bonnes. Elles sont bonnes. Exactement les mêmes, je te jure. Eh, pour eux, c'est les mêmes. Elle a l'habitude de manger de la sous-marque, surtout, c'est pour ça. De bonnes petites céréales. Regardez-moi ça. Elle croustille bien. Après voilà, la sous-marque, ça veut pas dire que c'est de la merde, attention. Commencez pas à faire des débats. Ouais, requin, tu critiques la sous-marque. Du coup, les amis, on a mangé les céréales. Donc là, ma nièce, elle a dit que c'était à peu près les mêmes, c'est ça? Donc vraiment, tant mieux. Elle a tout fini, hein. Vraiment, elle a kiffé les céréales contrefaçon. Place au Nutella, les gars. Mais avant le Nutella, on va tester les pains briochés, les amis. Donc moi, j'ai du pain brioché de chez Harry. Et elle, elle a du pain brioché, bah de quoi? Auchan. Voilà, de la sous-marque. Donc on va les goûter tout seul. Ensuite, on va les tartiner parce qu'on va goûter le Nutella pour voir si, voilà, le Nutella, t'as capté, elle va aimer ou pas. Et maman, t'as pas ta tartiner. Eh, on dirait les mêmes aussi. Regarde, monte là. Par contre, ta tienne, elle est plus grosse. Donc, on va goûter, c'est parti. Là, j'adore. Quoi? T'aimes pas? Elle aime pas du tout, les gars. Ouais, c'est ça, ma gueule, t'es tombé sur la sous-marque. Moi, quand j'étais petit, je mangeais quand même la sous-marque. Elle nous fait des chichis, là. Elle a le seum. Ah, tu veux goûter? Eh ben non, elle a trop le seum. Du coup, les amis, c'est parti. Maintenant, place au Nutella. Donc, montre-leur ton faux Nutella, toi. Donc, on va faire des espèces de tartines. Sauf que nous, t'as vu, on est des sauvages. Déjà, on va sentir. Ah, moi, ils sont trop bons. Quoi? Ah, ça sent pas de Nutella pour le ça coup. Pue. Ça sent plus le chocolat noisette, t'as capté ou pas? Oui. Ça sent plus le chocolat métal et castor. Du coup, les amis, on va même pas faire des tartines, on va faire les sauvages. Viens, on le trempe et on regarde. Toi, tu le trempes comme ça dans du bon Nutella. Regardez, regardez-moi ça. Ouais, le Nutella il est trop bon, comme d'hab. Non, elle fait des chichis. N'arrête, c'est bon, t'abuses. Non, goûte. Eh, je vais goûter.
Ça va, je t'arrête. Je dirais c'est une pourrie gâtée. J'avoue, c'est pas plus bon que le Nutella. Les gars, c'est vraiment de la noisette, genre la noisette fort. En tout cas, les amis, moi j'ai mangé mon bon petit Nutella. Je me régale. Bon, du coup, les amis, on a pris notre petit déjeuner. Donc, franchement, ça va, t'as mangé quand même. Oui. Ça t'a calé? Beaucoup. Ça l'a calé malgré qu'il y avait des trucs qu'elle aimait pas. Après, voilà, on va pas se plaindre, on va pas faire les mecs. Ouais, moi j'ai bien mangé, alhamdoulilah. Et là, ma nièce, elle va vous proposer un truc. Elle voulait vous montrer comment faire du slime en attendant le repas du midi. Donc, la famille, voilà, elle est trop forte. Elle arrive à faire du slime. En fait, du slime, pour ceux qui savent pas, c'est comme de l'essence mais genre en version liquide, genre c'est un truc que tu tiens dans les mains, c'est une dinguerie. Donc elle va vous montrer ça. Donc t'as un bac plus 5 combien en chimie? 10 sur 10. Vraiment, donc elle va vous montrer comment on fait du slime. Vas-y, montre-leur. Déjà voilà, là de la lessive. Ouais, je t'ai cru t'avais 45 ans, tu fais des lessives à ton jeune âge toi. Non, ça, vas-y, montre-leur comment tu fais. Alors on prend la colle, vous mettez de la colle, enfin vous prenez une boîte, enfin vous mettez de la colle, enfin de la quantité que vous voulez quoi. Après tu fais quoi? Tu mets du colorant. Donc elle met du colorant pour avoir la couleur du slime, c'est ça? Ouais, voilà. Et après elle mélange le colorant. Vous avez vu les petits maintenant comment ils sont chauds. Voilà, la meuf elle me fait de la chimie, frère. Poto, j'ai jamais réussi à faire ça quand j'étais petit. Je mangeais juste des gâteaux, c'était déjà bien, frère. Donc après elle mélange comme ça, bah en gros bah la colle elle prend la couleur rouge quoi. Donc après bah voilà, c'est bon. Après vous mettez la lessive. Bon, prenez la lessive extra parce que les... c'est la meilleure. Du coup, montre-leur le résultat final. Regardez, je vous jure, elle a réussi à faire ça avec sa lessive et sa colle. C'est une dinguerie, hein. Monte, attends, je tiens. C'est horrifiant. Ça dégoûte. Voilà, c'est une sorcière, elle m'a fait des trucs bizarres avec ses mains là. En plus elle en a plein tout le temps, elle fait ça, dites-vous la famille, c'est une dinguerie. Bon, les amis, place aux choses sérieuses. Maintenant, place au repas du midi. T'as encore envie de tomber sur la sous-marque ou pas? Ça y est, ça t'a saoulé la sous-marque. Du coup, là, on va refaire le tirage au sort. On va voir, on va manger quoi pour midi. Si moi, je vais manger de la sous-marque ou je vais manger de la marque. Là, c'est parti. On reprend le téléphone. Et celui qui a son blaze affiché, il mange la marque, ok? Comme la dernière fois. Du coup, allez, décidez. Celui qui tombe sur son blaze là, et bah, il mange la marque. Allez, c'est parti. Oh, elle mange la marque, ma nièce. Ah là, t'es contente, hein? Ah là là. Bon, quelle est ta réaction? T'es contente? Oui, très contente. Et là, j'espère pour toi que ça va être peu. Elle sait même pas parler. Bref, du coup, les gars, je vais manger la sous-marque. Bref, on va faire avec, tu connais. Nous, quand on était jeunes, de toute façon, on mangeait la sous-marque. Là, on va faire la dégustation. Ça y est, donc vous allez voir les repas. Donc, on mange, t'as capté en petite terrasse, t'as capté en bonne compagnie avec ma nièce. Toi, t'auras la vraie, t'auras pas la sous-marque. Donc, moi, c'est très simple. Vous allez vous dire, mais quelle sous-marque il y a point B et McDo? Je vous explique. Elle va manger le vrai Filofish, le vrai. Ceux qui ont créé McDonald's, parce que les Filofish, ils viennent de McDonald's et de nulle part d'autre. Et moi, je vais manger la sous-marque un peu. Filofish de chez point B, tu connais. Donc voilà, toi t'auras le droit de manger le vrai Filofish. Et moi je vais manger du coup le Filofish de point B. Donc j'espère qu'il va être bon. Je crois que je l'ai jamais testé, le Filofish de point B. Donc voilà, du coup je me tape la sous-marque entre guillemets, hein. Du coup regardez, elle a des Filofish, donc les vrais Filofish de chez McDonald's, avec du coca et des frites. Et moi du coup j'ai entre guillemets, tu vois, l'imitation Filofish McDo quoi. Je vais déballer ça moi aussi. Et du coup aussi la famille, j'ai oublié de vous dire, elle a peut-être le Filofish de McDo, mais elle a les meilleures frites aussi, hein. Elle a les frites de chez McDo. Et moi du coup j'ai les frites de chez point B. Mais chez point B, Théma, comment il blinde, frère? Et on compare les Filofish. Donc on va comparer le vrai Filofish versus le Filofish un peu de la sous-marque, donc de chez point B. Ouais, le mien, on dirait les mêmes. Là c'est de McDo et celui-là c'est du point B. On dirait vraiment les mêmes, hein. On dirait c'est des frères de ouf. Mais bref, je te propose, on déguste les frites. Du coup on va commencer par les frites. Moi je commence par ceux de point B. Elles sont bonnes. Elles sont pas plus bonnes que celles de McDo, parce que pour moi j'estime que le point B, la sous-marque de McDo, hein, on va être honnête. Chez point B, il n'y a pas de sauce personnalisée, il n'y a rien. Et du coup maintenant on va taper donc les Filofish. Donc vraiment, attends bien, on les ouvre pour voir. Je vous jure, c'est la même sauce et tout, hein. Point B, ils ont vraiment ouais, copié. Ils ont plus blindé que toi, hein, comme ouais. Celui de point B, il est bon, hein. Mais je vous jure, hein, c'est pas le même que McDo. J'en ai mangé 40 de Filofish. Ça a pas le même goût que le vrai Filofish, hein. Pour midi, j'ai vraiment perdu. J'ai la haine. J'aurais dû tomber sur McDo. Je me serais bien régalé. Bon, les amis, on se retrouve après le repas. Donc, franchement, moi, j'ai eu la sous-marque, hein. De toute façon, vous l'avez vu. Le Filofish, il m'a pas du tout plu, celui de point B. Je vous dis la vérité. Si je devais donner une note, carrément, je lui ai mis 0 sur 10. 0. Éclaté au sol. Et toi, bien évidemment, t'as eu le vrai McDo. Donc, elle s'est mis très très bien. Je te propose une dinguerie, là. T'es prêt à un nouveau tirage au sort? Oui. Donc, celui qui aura son blaze affiché sur les téléphones, il mangera tout simplement ces pims là. Regarde, elles sont dégueulasses, c'est les faux pims. C'est marque Auchan. Tu manges ça, voilà, c'est pire que le pétrole. Et celui qui aura pas son blaze affiché, il mangera tout simplement les vrais pims, donc les indétrônables. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire quel est votre meilleur pims en termes de goût. C'est quoi ton meilleur goût pims? Framboise. Inch'Allah, ya Rabbi, elle tombe sur la contrefaçon parce qu'elle fait trop la maline. Et on va manger ça devant un truc que vous connaissez tous. On fait tous déjà ça dans notre vie. Devant Netflix, les gars. Donc regardez, on a mis la télé, on va regarder des petites séries. Et puis on va voir qui va manger les pims les plus éclatés des deux. Du coup, allez, on va mettre décidé. Donc celui qui a son prénom affiché là, il va manger la contrefaçon cette fois. Il va pas manger la marque. Allez, c'est parti. Allez, 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 allez. Je mange la sous-marque, espèce de. La famille, j'ai vraiment pas de sens. J'en ai marre. J'ai mangé un point B. Filofish, c'était pas bon.
bon. Là je me tape les pires pimps. Eh frère, c'est des pimps, ils devraient même pas exister. Marcochon frère. Bref, bah c'est parti. Yeah. Regardez, elle est toute contente là. On va voir s'il y a vraiment une différence. Enfin, je vais voir. Parce que moi j'en mange tout le temps des pimps normales. Bon, du coup, moi je prends la sous-marque. Regardez. On dirait les vrais, Théma. Donc vraiment, elle a de la chance. Elle a la marque lue, les vrais pimps. Ah ouais, toi, il y a écrit pimps. Moi, il y a rien écrit. Allez, on déguste en même temps. C'est parti. Franchement, la vérité, ils sont pas dégueux, mais ils sont pas meilleurs que les pins. Bon les amis, on se retrouve après avoir regardé Netflix, etc. Donc là, il est à peu près le soir. On va faire le repas du soir. Pour le repas du soir, les gars, grosse surprise. Ça va pas être ma nièce qui va être avec moi. Ça va être, t'as vu, un invité que vous connaissez tous. Donc là, c'est très simple. Il est à peu près 18h, 19h. On va faire le repas du soir. Donc là, l'invité, il va tout simplement venir. Vous allez voir c'est qui. Donc il est tout simplement là. La famille, ça vaut quoi? Eh là, t'es chaud ou pas là? Pour le repas du soir, je vais ramener la famille. Parce qu'avec ma nièce, je faisais que perdre. J'ai perdu deux fois d'affilée. J'ai mangé de la sous-marque deux fois d'affilée avec ma nièce. Du coup, je me suis dit, si on change de concurrent. Il y a moyen, tu vois, t'as capté, je vais manger de la marque. Donc là, pour ce tirage au sort, je pense qu'on va faire un pierre feuille ciseaux en 1. Ouais, pierre feuille ciseaux en 1. Là, je vais gagner, comme ça, il aura perdu 3 fois dans cette vidéo, ça va être parfait. Donc on va vous montrer celui qui perd, il va manger quoi, et celui qui gagne, il va manger quoi, c'est au-dessus. Alors, pour le repas du soir, donc regardez, celui qui gagne, il mange une vraie pizza surgelée italienne, ristorante, avec un vrai Coca-Cola. Donc franchement, il se met bien celui qui gagne, et celui qui perd, Starfall là. Ah, il mange une pizza, poteau. Déjà, elle est gonflée, comme je sais pas quoi, on dirait un dodal. Il mange une pizza Carrefour avec du Coca-Cola au champ. Même pas du Coca-Cola, c'est du Planet Cola. Donc voilà, j'espère vraiment que je vais gagner parce que ça, ça me donne pas envie. Moi, je vais manger la marque, les gars, bordel. Du coup, allez, c'est parti. On va faire un pierre feuille ciseaux en 1. 1, 2, 3, pierre feuille ciseaux. Ma gueule, tu me peux plus ou quoi? 1, 2, 3, pierre feuille ciseaux. Un bâtard, ouais. J'ai bien fait de changer de concurrent parce que là, je vais manger de la marque. Là, frérot, tu vas manger une pizza Calcida et du Coca-Cola, frère. C'est même pas du Coca-Cola, du Planet Cola, les gars. Ah, ça va être une dinguerie. Donc c'est parti, on va faire chauffer les pizzas et je suis content, je vais manger de la marque. Attendez, la famille, avant de les cuire, on va les déballer. Bon, la famille. Là on va les déballer parce que au cas où si jamais il y a un problème là de salmonellose, au moins comme ça c'est en vidéo. Par contre la pizza elle a l'air d'être vraiment chelou hein, je vous le dis hein. En fait elle est grosse, j'ai l'impression, on se ressent la boîte. Wesh, c'est quoi cette pizza les gars? Wesh, y'a un trou. Wesh, eh, c'est un chapeau. C'est un pain nan, voilà. Wesh, c'est quoi ce bail? Les gars regardez, y'a un trou, eh voilà regardez. Voilà, eh, la famille elle est même pas congelée. Je vous jure elle est pas congelée, regardez, elle bouge. Vraiment c'est de la sous-marque, ça se voit, c'est vraiment de la sous-marque. Regardez, y'a un gros trou, c'est une dinguerie. Et moi on va voir ma pizza. Du coup les amis, moi regardez la mienne, elle doit être belle normalement, t'es marre. Regarde comme elle est beaucoup plus belle, elle est plate. Ça, je crois que c'est de la marque. Bref, on va les faire chauffer. On se retrouve pour la dégustation, les amis. Du coup, les amis, les pizzas, elles ont été cuites. Théma, franchement, la mienne, elle est bien belle. Hein. Et franchement, et la sienne. Bon, en vrai, ça se ressemble quand même, ça va. Ça va. La sienne, elle est plus cabossée comme avant. Ouais, on dirait qu'elle avait fait un choc avec une AMG à 45. Du coup, les amis, ce que je vous propose, c'est que vas-y, viens, on goûte déjà une part. Donc, on va voir, lui, il a la sous-marque. Moi, j'ai la marque. Attends, on va les montrer déjà précisément pour bien qu'ils voient. Regardez l'épaisseur. Bon, la mienne, elle est plus épaisse. Ouais, la mienne, elle est moins épaisse. Alors que c'est censé être de la marque, la mienne. Franchement, la mienne, elle est bonne. Ils sont bien pas mal. Ça va. En fait, elle est bizarre parce que. T'as vu, y a pas. Non, c'est même pas le fromage. Le goût de la sauce tomate, il est trop bizarre. Moi, c'est de la vraie sauce tomate, les amis. Ouais, ça se fait, honnêtement, que... franchement, c'est moins pire que ce que je pensais, la vérité. Eh, maintenant, les amis, on va faire place aux boissons. Eh, moi, j'ai du vrai Coca-Cola. Donc, on va mettre ça dans un verre. Let's go. Bon, c'est parti. Vrai Coca-Cola, ben, c'est faux Coca-Cola. Eh, on dirait les mêmes. Hein. Eh, je vous jure, y a pas de différence. Eh, la même couleur et tout. Même le gaz. Ouais, moi, les bulles, elles sont déjà parties. Lui, elle reste 6 ans. Alors que c'est du faux Coca. Moi, je suis un fan de Coca. Donc, le Coca-Cola, je connais. Incroyable. Il est bon, mais ça se voit que c'est pas du Coca. Ouais, c'est pas du vrai Coca. Y'a pas le goût du Coca. Elle apparaît pas dans la vidéo. Il a pris le mauvais Coca-Cola et la mauvaise pizza. Mais bon, c'est la vie. Bon, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo tout simplement. Donc voilà, on a fait les 3 repas. Donc le petit déjeuner. On a fait quasiment 4 repas parce qu'il y a le repas du midi, plus le goûter et plus tout simplement le repas du soir. On a mangé à peu près vers 19h, etc. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo 24h manger marque, mais contrefaçon, vous aurez kiffé la famille. Si c'est le cas, maximum de likes. Dites-moi, vous voulez quoi comme prochaine vidéo pour les 24h? Et puis, nous la famille, bah, on va dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et quoi qu'il arrive, la marque ou de la sous-marque, les gars, le principal c'est qu'on ait la chance de manger aujourd'hui à notre faim. La marque, la sous-marque, c'est la même chose. Bref, c'est un peu plus bon la marque. La sous-marque, c'est pas un truc dégueulasse. Et moi j'en ai grave mangé dans ma jeunesse et je regrette pas. Allez, sur ce la famille, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.